Bonjour et bienvenue les amis sur une nouvelle vidéo sur votre chaîne CryptoMonde. Aujourd'hui on va vous parler d'un nouveau projet qui s'appelle HoloLand. Vous pouvez voir, c'est la plateforme officielle. Dans cette vidéo on va essayer de vous donner toutes les informations disponibles soit sur internet, soit les informations qu'on a pu avoir en parlant directement avec la communauté. Bien sûr en discutant ça avec la communauté qui existe bien sûr sur Telegram. Vous pouvez y accéder si vous voulez. Il y a un groupe qui dépasse les 23 000 membres, plus de 1 000 sont en ligne, donc vous allez toujours trouver quelqu'un avec qui parler. Je vais laisser les liens dans la boîte de description. Alors pour commencer, ce projet, c'est l'un des projets que je suis toujours fier de faire une revue, parce que j'ai l'intention que il va pas s'arrêter comme pas mal de projets qu'on a fait des revues qui étaient vraiment intéressants. Mais ce projet, il est complet, il est là pour pas seulement pour gagner du profit, pour donner de la valeur à ces jetons, mais pour contribuer au développement général du crypto monde. C'est le nom de notre chaîne, mais c'est l'aspect général. Donc il est là pour contribuer à l'innovation de la technologie, et il a pas mal de propriétés qu'on va voir. Donc mesdames et messieurs, quand on regarde l'histoire de la blockchain, on peut voir qu'il s'agit d'une technologie qui change et évolue constamment. Ce type de révolution fait partie de l'attrait de l'industrie de la blockchain, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le concept blockchain gagne du terrain. Depuis cette année, la chaîne publique a gagné en popularité, NFT a scintillé et la chaîne croisée est devenue très très populaire. Donc l'ensemble du monde de la blockchain est incroyable avec l'aide du Meta-Univers, donc le Metaverse, le terme qui est trop répandu ces jours-là, ouvrant la voie à un plus grand domaine de développement. Donc après une baisse suite au boom de l'extraction des liquidités, DeFi a réapparu dans le courant dominant en octobre de cette année, apportant avec lui un nouveau concept 2.0 rafraîchissant et renforçant la durabilité et l'inventivité de la finance décentralisée. Donc pour parler de ce projet spécifiquement, la HoloNerd Network est sans aucun doute la plus appréciée des chaînes publiques DeFi rivales. Je dis ça et je suis responsable. On n'est pas en train de vous donner un conseil d'investissement, mais c'est vraiment un avis qui est basé sur des vrais comptes. Donc, en termes de technologie sous-jacente et de structure écologique, le réseau Halo offre un grand potentiel. Il a recueilli de nombreux soutiens en un peu de temps et devenu un projet superstar dans le domaine DeFi. Halo Network, en revanche, ne se repose pas sur ses lauriers et ses applaudissements. Il ne cesse de croître et d'évoluer, comme le prouve le prochain Halo Network 2.0. Le site web ou bien la plateforme officielle, c'est très chargé des informations techniques. Vous pouvez construire votre DApp tout simplement en téléchargeant la wallet, en achetant des assets ou bien des biens, bien sûr en utilisant le bridge Halo, et bien sûr en explorant les projets d'app. Donc le Halo Bridge is the safest and fastest cross-chain asset conversion contract offered by Halo Network. Donc c'est le plus rapide, le plus sécurisé. C'est un bridge, donc vous pouvez voir qu'il peut y aller entre les networks sans aucun problème. Vous pouvez voir l'Ethereum, les Binance Chain, le Tron, le Polkadot et tous les réseaux très répandus. Bien sûr, il y a 5 couches de construisant
le défi carrière, donc le base layer protocol, ou bien le protocole de couche basse, l'infrastructure, l'écosystème, le community développement et les tools, ou bien les utilitaires. Donc voilà l'écosystème du projet. Vous pouvez bien consulter tous ces liens si vous cliquez. Donc ça va vous donner pas mal de détails. Vous pouvez les voir ça. Donc voilà le roadmap, les wallets qui peuvent contenir le jeton Allo. Et voilà, on est arrivé à la fin de la plateforme. Donc si vous cliquez sur le compte Twitter, ça va vous mener ici où vous allez trouver toutes les actualités de ce projet. Je recommande que vous les suivez. C'est très intéressant comme projet. Donc, il est potentiellement un projet qui va faire vraiment un bruit dans le marché de crypto-monnaie. Donc, n'hésitez pas. Et les informations que je vous ai données, je les ai récupérées depuis cet article qui se base sur des faits. Donc, n'hésitez pas à lire cet article. Il contient toutes les informations concernant le projet. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé le contenu. On se voit dans la vidéo prochaine.